Bonjour mon ami, tu kiffes les vidéos de Riton, non? Laisse les gens parler, abonne-toi et active la cloche de notification. Que Dieu te bénisse. Yo la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez très très bien. Moi j'ai passé une superbe nuit. Il est midi et puis j'ai envie de vous faire cette vidéo là. J'avais prévenu hier en poste, voilà, qu'il y avait une petite bonne nouvelle. Mais je ne vais pas trop parler, mais avant de commencer cette vidéo là, j'aimerais vous dire merci. Vraiment infiniment merci pour ce que vous faites pour moi. Vous n'imaginez pas à quel point vous me soutenez. Quand j'imaginais à mes débuts, je suis en train de quémander la clémence, la bienveillance de mes propres amis qui ne sont même pas abonnés. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes m'écoutent à travers le monde. Vraiment merci. Que Dieu vous bénisse. Ceci étant, je n'ai pas trop parlé. Je vais vous faire voir une vidéo. Écoutez bien les propos de notre DJ Arafat dans cette vidéo. Et ensuite, je vais donner mon avis. Regardez bien la vidéo. Laissez un peu inspirer là, hein? Demain c'est l'anniversaire de Doux Saga, notre président, et il n'y a pas d'événement. Comment ça se fait? Hein? C'est pas normal. C'est pas normal ça. C'est le président quand même. Le vieux Moula, aussi un sédément, fout du bordel dans Abidjan quand même. Hein? Ouais, famille, on vient tous de suivre la vidéo, hein? On vient tous de regarder la vidéo de Didier Arafat. Voilà, bien avant que je poursuive mon allocution, j'aimerais que vous, mes abonnés, vous qui avez l'habitude de commenter mes vidéos, vous me dites en commentaire ce que ce message de Didier Arafat là vous inspire. Honnêtement, qu'est-ce que ça vous inspire? Parce que moi, je vais me prononcer et je vais donner mon avis dessus. Mon avis ne sera pas l'idéal, je suis sûr, mais je pense que c'est ça. Moi, personnellement, je pense que c'est ça. Donc, dites-moi en commentaire ce que ce message de Didier Arafat là vous inspire vis-à-vis de Moula. Voilà, vous savez. Souvent, il y a certaines choses qui nous échappent sur les réseaux sociaux parce qu'on est tellement occupé par certains trucs et tout ça. Et hier, comme ça, dans la nuit, j'étais en train de fouiner. Et comme ça, je tombe sur la vidéo. Didier Arafat au studio en train de framponner un peu quelques beats. Et comme ça, il dit que mais demain, c'est l'anniversaire de toute saga. Et puis, il n'y a rien de prévu. C'est pas normal, ça. Bon, le vieux Moula, il faut faire en fait du sale demain. Moi, je me pose des questions. Soit les mecs ils sont réconciliés, soit il y a une médiation en cours. Voilà, parce que quelqu'un qui voulait même plus entendre parler du Gondo Moula, je pense qu'il y a un guichet roche. Voilà, moi je ne dis rien. Mais je pense que la vidéo en dit chose, oh, beaucoup. Voilà, moi je ne parle pas pour ne rien dire surtout. Je ne parle pas pour ne rien dire. Je n'affirme rien. J'interprète seulement ce que je vois. Moi Stéphane. J'en veux à quelqu'un. Je veux même plus entendre parler de lui. Et on va dire, quelques mois plus tard, je fais une vidéo comme ça, à la grande surprise de tous. Le Gondo Moula, on va faire du sale demain. Comme s'il y avait affinité encore, comme auparavant. Les amis, vous savez, moi je pense que Didier Arafat et le Moula, c'est pas une autre tête. Oui, je pense qu'ils se payent une autre tête. Ces deux-là, je vous avais dit aussi dans des vidéos que c'est petit frère, grand frère. Mieux, c'est beau frère, voilà, vous savez un peu, vous devez comprendre quelque chose, c'est toujours malheureux de vouloir encourager les discordes entre deux artistes, quelles que soient nos raisons, quelles que soient nos divergences, non, on ne doit jamais, jamais, jamais de notre vie encourager cela, et moi je trouve malheureux que certains fans, passent toute leur journée, tout leur temps à fustiger un individu. On est tous d'accord que cet individu-là pose souvent des actes qui ne nous plaisent pas. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Parce que vous vous rappelez, vous avez fustigé comme ça Didier Arafat de son côté, les fans de Bordeaux contre lui, Debordeaux de son côté, les fans de Didier Arafat contre lui. On les a traités. Oh, oui, on les a traités de tous les noms. Arafat c'est un maudit, Debordeaux c'est un maudit, ils vont jamais se réconcilier, ils vont jamais se réconcilier. Et puis bam, dans notre visage, Didier Arafat et Debordeaux se réconcilient et c'est le parfait amour. C'est la parfaite amitié. Ça vous a pas encore donné des leçons. Ça ne vous a pas encore donné des leçons. Tout ce qu'on fait là, à la limite on dit, ils ne nous voient même pas. Ils font ce qu'ils veulent. Vous pensez qu'ils sont bêtes à vouloir toujours créer la guerre. Entre eux, non, ils savent que ça ne les arrange pas. Non, moi je peux vous dire, dormez tranquille. Ceux qui pensent que
C'est la fin du monde entre Didier Arafat et le Moulala. Vous foutez les doigts dans l'œil. Réveillez-vous. Je peux parier même mes 5 doigts qui se fréquentent, qui s'appellent. Voilà. Sinon, Didier Arafat, quelqu'un qui voulait même pas entendre Didier Moula, elle n'a jamais fait cette vidéo-là, mentionner le nom de Moula. Et comment le mentionner? Ah, grand Moula. Fais en fait du sale demain. Du sale quel jour? À l'anniversaire des dessins, du Doux Saga. C'est pour dire que quoi, on a eu des palabres, mais c'est fini, on tape l'œil. La vie avance. Et Moula, comme il n'est pas très vidéo, vous pensez que ça ne va pas entre eux. C'est des conneries. C'est des conneries. Moi, je peux vous affirmer que ces deux-là, ils se voient très bien en coulisses. Et puis, je pense bien qu'ils se sont réconciliés, mais à l'abri des caméras. Voilà. Donc, ne soyez pas étonnés, le 29 décembre. Le 29 décembre vous réserve plein de surprises. Le 29 décembre vous réserve plein de surprises. Voilà. Plein de surprises. Donc, calmez-vous. Calmez-vous. Ne vous emballez pas. Vous êtes là. Le Moula, c'est un maudit. Arafat, il est trop impoli. Le Moula, c'est un maudit. Arafat, il est trop impoli. Mais les gars, ils s'appellent, ils se causent tranquille. Tranquille. Vous pensez que c'est le premier par la bande Moula et Didier Arafat. Vous ne vous rappelez pas. Ou Didier Arafat, vidéo ici, pour chier. Ou le Moula, que lui donne les trophées en bois. Ce n'est pas le même Didier Arafat qui allait participer à la deuxième édition de la World Cup de Calais, puis l'a remporté. Calmez-vous, les amis. Hein? Ne vous emballez pas. Parce qu'avant de dire certaines choses-là, réfléchissez d'abord. Parce que vous allez toujours avoir honte. Vous allez toujours avoir honte. Le Moula, il dit déjà, c'est fréquent bel et bien. Voilà. Ils se sont réconciliés. Mais comme ça n'a pas été public, vous pensez qu'ils sont toujours en guerre. Honte à vous, les amis. Honte à ceux qui désirent que Didier Arafat et le Moula ne s'entendent plus jamais. Voilà. Donc, c'était ça, la bonne vidéo, la bonne nouvelle du jour. Que chacun donne son interprétation. Mais moi, je pense que mon interprétation est la bonne. Et la meilleure, parce que je crois, comme je souhaite toujours réconciliation entre les acteurs du coupé décalé, je ne peux que souhaiter que Didier Arafat et le Moula se soient réconciliés. Voilà. Donc, les amis, dormez tranquille. La hache de guerre entre le Moula et Didier Arafat est enterrée ou est en train d'être enterrée. Voilà, c'était ma vidéo du jour. J'espère que vous avez compris le message. Que Dieu vous bénisse et passez une excellente journée. Ça va être un serviteur et toi, continuez de vous abonner. Ciao, ciao, les amis.